Salut, c'est Frédéric. On se retrouve aujourd'hui dans ma cuisine pour une nouvelle vidéo recette. Je vais vous montrer comment réaliser le fameux gâteau funfetti. Donc aujourd'hui j'ai envie de manger un gâteau et donc je me suis dit pourquoi pas essayer de faire ça avec vous. Comme ça vous pourrez voir comment faire la recette car je n'ai pas vu de vidéo en français. Donc voilà, on va essayer de faire tout ça ensemble et j'espère que ça sera bon, on va goûter tout ça après avec Evan et Gaëtan. Vous êtes prêts? Allez, c'est parti! Alors, pour réaliser cette recette, vous aurez besoin bien sûr d'un sachet funfetti, de 3 œufs, de l'huile et de l'eau, c'est tout simple. Ensuite, munissez-vous également d'appareils de mesure pour pouvoir mesurer la quantité des liquides. Et voilà, c'est tout, vous n'avez pas besoin de plus d'ingrédients que cela. Préchauffez donc tout d'abord votre four à 180 degrés. Alors, en premier, il faut verser le sachet entièrement. Voilà, donc c'est très drôle, c'est vraiment de la farine toute blanche avec des petits vermicelles de couleur. Ça sent pas très bon. Bon, on ne va pas trop m'inquiéter pour ça. Ensuite, donc, on casse les 3 œufs. Hop. Voilà. Ensuite, il faut rajouter de l'eau. Donc l'eau, il faut mettre 250 ml. Donc moi, j'ai une cuillère mesure comme ça de chez Tupperware. Donc là, on a 250 ml. Et 125 ml d'huile. Donc là, pareil, c'est un petit récipient de chez Tupperware. Et j'ai une dose à 125. Donc on va faire ça. Voilà, c'est tout. Il n'y a pas plus à rajouter. Maintenant, on va tout mélanger. Alors, sur le paquet, il est écrit qu'il vaut mieux le faire avec un batteur. Moi, j'ai pas vraiment de batteur. J'ai pas de robot, rien du tout. Donc, j'ai l'habitude de le faire à la main. Voilà, on va y aller comme ça. Pas besoin de batteur, ça se mélange super bien. Voilà, donc regardez-moi ça, ça m'a l'air franchement nickel. Moi j'ai décidé de faire effectivement des cupcakes, on peut faire ça dans des grands plats à gâteau, mais moi je vais mettre ça dans mes moules. Donc toujours pensez à bien mouiller vos petits moules en silicone et puis allez c'est parti. Je vais prendre ma grande cuillère et puis on va remplir tout ça. Donc là, j'ai déjà fini cette première fournée. Je vais faire maintenant une fournée dans ce moule là. Je le rince d'abord à l'eau. Donc là c'est pour faire des mini cakes. Alors là ça va être beaucoup plus chaud à remplir mais on va quand même y arriver. Je vous assure, la pâte, elle sent mais divinement bon.
Ça sent énormément la vanille. Et bien maintenant, je vais mettre tout ça dans le four. Voilà, donc là, je vais les laisser cuire environ 20 minutes et je vais vérifier la cuisson. Voilà au bout de 20 minutes à quoi ils ressemblent, donc je vais encore les faire cuire, je pense, 10 bonnes minutes. Hein. Voilà, et on se retrouve tout de suite après. Alors, les premiers, je pense qu'ils sont bons. Et je vais voir les autres. Alors, pour voir s'ils sont bons, vous prenez un couteau à pointe très pointue en fait et vous le plantez dedans et s'il ressort propre, voilà comme ici, c'est que ils sont cuits. Donc ceux-là sont cuits, mais c'est juste ceux-là, j'ai un doute. Ben ils ont l'air cuits, hein. J'aurais tendance à dire que ceux-là, j'aimerais bien les laisser quelques minutes de plus. Je vais les faire cuire encore 3 minutes. C'est reparti pour 3 minutes. Voilà, après 4 minutes de plus, voilà à quoi ressemblent les cupcakes. Je les préfère comme ça. Ils ont, avec le dessus un petit peu bruni comme ça, je trouve qu'ils sont beaucoup plus jolis. Donc on va laisser refroidir 15-20 minutes et ensuite je vais préparer un petit glaçage au chocolat blanc tout simple. Allez, à tout de suite. Re tout le monde. Alors, vous reconnaissez Evan et Gaëtan. Ils ont faim et puis moi aussi, je suis impatiente de goûter. Donc on voit bien les petits vermicelles à l'intérieur. 1, 2, 3. Alors, vous avez aimé? Vous aimez? Maman, elle doit en refaire? Je dois faire du glaçage aussi avec? Ok. Bleu. Non, ça sera du blanc. Bon, pas fou. Bon, bah écoutez, je vais être obligée de faire du glaçage. On se retrouve après. Voilà, donc me revoilà le lendemain. Et comme j'avais la flemme de faire moi-même mon glaçage... Ce matin, j'étais aux courses, j'ai acheté ce glaçage-là. Je pense que vous le connaissez tous. Il est juste à faire réchauffer au micro-ondes. Donc moi, c'était 30 secondes plus 15 secondes. Après, vous le malaxez, c'est tout mou. Voilà. Et il n'y a plus qu'à le verser donc, sur les muffins. Alors, comme vous pouvez constater, il ne me reste plus que ça. Parce que hier soir, on en a déjà mangé plein. On a mangé tous les petits avec Michael, Evan et Gaëtan et on s'est mis de la crème chantilly dessus, c'était super bon. Alors c'est parti, donc on va découper ici comme c'est indiqué et on va mettre ça directement sur les muffins. Alors je vais commencer par celui-là. Donc ils disent de le verser au milieu du gâteau. Je sais pas s'il faut en mettre beaucoup ou pas. Donc celui-là, j'en mets un peu plus. Bon bah même si ça a dégouliné, c'est pas grave. Bon bah voilà, ça m'a l'air pas mal tout ça. Bon bah du coup il m'en reste tout plein. Je sais pas si ça se garde. Alors pour les petites boules, ce que je préfère, c'est mettre dans mes doigts et ensuite.
Oh bah bien sûr, ce genre de truc, vous en mettez partout. Oh, mais j'en ai mis partout. Et voilà à quoi ressemblent mes jolis cupcakes avec le paquet Funfetti. Donc glaçage au chocolat et petites perles de couleur. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Dites-le moi en commentaire et puis je vous referai plein de vidéos comme ça. Et je vous fais plein de gros bisous en attendant la prochaine vidéo. Salut !